Et salut, bienvenue à Mipéote, bienvenue sur la chaîne LRT. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on se retrouve sur Le Mans Ultimate. Ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné sur Le Mans Ultimate. Je me suis dit, allez, pourquoi pas aller faire une petite course en ligne. Donc comme vous voyez, aujourd'hui, il s'agit de du GTE. Donc on va se faire une petite course de 39 minutes. Bon, après, essai plus les qualifs, je crois que c'est une course de 30 minutes. 5 minutes de qualif, on va aller voir. Voilà, 4 minutes, 6 minutes de qualif et 24 minutes de course. Donc on va se faire ça sur Bahreïn, on verra ce que ça donne. S'il n'y a pas trop de casse, moi de mon côté, je vais faire les essais et je vous retrouve en début de course, donc sur la ligne de départ et je vous montrerai combien j'ai fini au niveau des qualifs. Bon, je ne vais pas faire des grosses qualifs, c'est histoire de monter mon DR là. Parce que si je fais une petite sortie, je me prends un X, un truc comme ça, donc ça me fait pas monter. Donc peut-être que je partirai vers la fin de la ligne et je remonterai peut-être tout doucement, on verra par rapport aux gens qu'il y a dessus, si c'est pas trop la boucherie. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur la ligne de départ et moi je fais mes essais de mon côté. À tout de suite. Allez, nous voilà sur la grille de départ. Donc on a fait le sixième temps. C'est pas mal. Hop, je vais régler ça. Hop, je vais me mettre. Voilà, comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Si c'est pas la boucherie, on verra bien. On va attendre ça gentiment. Ouais, encore 15 secondes. Donc on verra bien ce que ça a donné. Formation lab. Allez, c'est parti. On verra bien si c'est pas la boucherie. Puis nous, essayer de pas se planter non plus. Green flag, green flag. Allez, c'est parti. Oh, le départ c'est pas mal, c'est propre. Il voit pas celui-là, lui. Ah putain, et voilà, c'est moi qui fais le con. J'en étais sûr, ça. Mettre un peu de frein à l'avant. Tape-moi dedans, je te dirai rien, toi. Lap 2, 21.38.
L'autre en Porsche, je sais pas rouler là. Ah, il faut que je reprenne les places, hein. Ah, je suis large, là. Casse-toi, toi. C'est pas roulé, celui-là. Ah, dans le split 3, hein, j'en étais sûr, hein. Place sur un pneu en plus. Sur ce devant. Ah, je rate mon point de corde là. Allez, sixième, ça se tue devant, c'est bien. Je reprends ma place. Ah, je crame un pneu là. Ils sont là-bas devant.
Ça va être difficile d'aller les chercher, hein. L'autre il revient derrière, hein, avec sa Porsche. Hein. Putain, j'ai bloqué là. Ah, il revient. Je fais des conneries, j'ai un plat sur un pneu aussi. Je fais le con, hein. J'en étais sûr, hein. Ah, s'il pouvait se battre devant, ça serait bien. Ah, comme j'ai bouffé le pneu droit, avant droit. Thank you.
Ah, et pas simple de revenir avec un pneu. Avec un plat sur le pneu. C'était juste là. Oh, faudrait qu'ils se battent là, voilà, ça se bagarre là devant. On revient un peu. J'essaie de mettre la pression sur la Ferrari devant. Ah, j'ai le volant qui tremble. Oh, derrière, c'est bon, 10 secondes. On remarque ça, c'est une connerie pour qu'ils reviennent. Elle a repris, hein. Ah, je bloque toujours le même pneu. Hein. Putain, c'est pas vrai.
Ah, du mal de tourner maintenant. L'autre, il revient derrière, hein. Ah, puis je me rate là. Ah non, mais non. Eh oui, je fais n'importe quoi. C'est sûr, ça. Putain. Oh, lui aussi, ça vient. On va finir 7e, hein. On aura perdu une place, j'ai bouffé un pneu, mais méchant. Il va rester 2 tours, je pense. C'est pas possible. Difficile, hein. Très très difficile, hein. Elle freine pas, des fois elle bloque les freins. J'arrivais mieux avec cette Ferrari avant, hein. Ça fait un moment que je suis pas retourné. Je trouvais les mieux. J'ai plus l'habitude. Allez, dernier tour.
Alors freine. Oh, on finira 7e, hein. Pas mal de conneries dans cette course, hein. Eh ben, 7e. Ben, on va se mettre là. On va attendre. Hop. Que ça se termine. Hop, on va quitter. On va aller voir ce que j'ai fait. Il y a plein de DNF là. On va attendre les résultats. J'en m'étonnerai que j'ai dû monter parce que l'autre Exa Porsche m'a touché pas mal de fois. On verra bien. Faut que je peaufine un peu hein, ici. Hein. Toujours rien. Là, y a rien. Bon alors, ah, si on a monté quand même un peu. Mais bon, pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Hein. Ça fait rien, on monte tout doucement. Donc, que dire de cette course bah, difficile, hein, difficile. Bon, j'ai cette Porsche qui m'a emmerdé là. Je sais pas si c'est... Ah, c'est Rick Schorn là. L'Allemand qui m'a fait chier beaucoup de fois. Il m'a tapé dedans et sinon dans l'ensemble ben pas évident hein. La Ferrari j'ai eu du mal à la maîtriser pourtant avec avant sur la Ferrari j'y arrivais bien mais bon ça fait tellement longtemps que je suis pas revenu sur le multimètre c'est le temps de se remettre dessus il faut que j'y aille de plus souvent et refaire des courses plus souvent pour monter assez vite mon safety rating tout ça ainsi de suite. Voilà, si vous aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu pour faire rouler la chaîne et la faire connaître. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao!